Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo donc pour parler de l'alimentation du cochon d'Inde. Donc voilà, nous allons commencer par le foin donc, qui est juste là, donc dans un petit bac. Donc il va le piocher ici, donc voilà. Ensuite nous avons le biberon, donc super bien, moi je trouve il est nickel. Donc un net donc pour fermer, pour bien qu'il tienne là. Et la fixation de base ici, donc voilà. Donc il est gradué, donc comme vous pouvez le voir, moi je lui mets vers 300-350 et je mets 10 gouttes de vitamine C. Donc si vous voulez voir ma vidéo vitamine C, eh ben allez la voir. Voilà, il est super bien. Donc ça coule ici, hein, voilà. La carotte, et c'est une fosse. Et les granulés qui sont ici. Les fameux granulés, donc voilà. C'est vraiment l'aliment qu'il faut pour les cochons d'Inde. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà. On se retrouve pour les granulés. Donc ils sont ici. C'est amiforme. Comme vous pouvez le voir. C'est repas complet pour cochons d'Inde. Donc 100% végétal. Qui est marqué là. C'est Optima, donc équilibre nutritionnel. Donc, les trois sont très importants. Luzerne, la dentition et la vitamine C. Donc les granulés sont ici. Là. Donc je vais vous en sortir un pour vous montrer. Voilà. Donc regardez, ça se présente sous cette forme-là. Donc vous n'allez pas bien voir. Oh, voilà. Oh, comme ceci. Voilà. Ensuite, très important aussi. Donc, tout est important en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, protéines brutes, donc 16%, donc c'est marqué juste ici. Ensuite, les 4%, c'est de la matière grasse, donc ça va, 4%, c'est pas beaucoup. Cendre brute, voilà, donc 7%, 7% qui est marqué là. Donc, 4% de matière grasse et 16% de protéines brutes. 15,5% de cellulose brute. Et 13% d'humidité. Donc voilà. Ensuite, le plus important, c'est la lait derrière. Alors la nourriture de l'éleveur. Donc vous n'allez pas voir là le texte ici, donc je vais vous lire. Le Clauzot, important centre européen d'élevage de rongeurs, se situe au cœur de la Bretagne sud, dans un environnement de plein air et de nature. Cette nourriture est utilisée quotidiennement par le centre d'élevage du Clauzot qui contrôle la majeure partie de sa fabrication, donc semis, récolte, production, garantissant ainsi son origine et sa qualité. Donc voilà. Haute valeur nutritive. Donc, hop. Conseil de l'éleveur. Et c'est le luzerne. Donc c'est marqué donc là. Ce repas complet est équilibré et le résultat d'une formule spécifique étudiée pour le cochon d'Inde. Il rapporte tous les éléments nécessaires à son organisme, donc les sources d'énergie, les protéines, les acides gras, les éléments minéraux et les vitamines afin de conserver l'arôme et la quantité de la luzerne. Donc celle-ci est déshydraté avant d'être intégré dans l'aliment. Donc voilà. Ensuite, particularité. Donc ici, ça me donne un point. Donc forte tenue en vitamine C. Donc c'est à votre avis de la vitamine C. Voilà. Donc la vitamine C est indispensable au métabolisme de base du cochon d'Inde car il ne peut la synthétiser. Amiforme contient 4 grammes kilo de vitamine C, donc voilà. 4 grammes par kilo de vitamine C. Voilà. La dentition.
C'est aussi une particularité. Donc, voilà. Les dentitions, c'est pour, en fait, qu'ils se font les dents. Et voilà. Donc, c'est bien pour eux. Au moins, ils peuvent bien manger, tout ça. Après, ils se sentent bien. Donc, si jamais ils n'ont pas une bonne dentition, ils ne peuvent pas bien manger. Donc, l'aspect granulé est obtenu par un pressage à sec afin de préserver toutes les qualités nutritionnelles et gustatives des ingrédients. La taille et la forme du granulé ont été étudiées donc, pour en faciliter sa durée, donc, sa dureté, pardon. Donc, sa dureté, donc c'est marqué là, dureté, contribue à une bonne hygiène dentaire. Voilà, mode d'emploi. Ah, ça c'est très important. Bah oui, sinon je ne ferai pas la vidéo, Alicia. Hein. Amiforme sera bien distribuée quotidiennement, donc dans une mangeoire propre. Donc ça c'est très important. Il faut que dès que vous avez mis à manger à votre cochon d'Inde et que vous voyez qu'il n'y en ait plus, vous la nettoyez tout simplement. Donc après je vous dirai ce que je fais moi. Voilà. Donc 50 grammes par jour par animal, soit environ 5 cuillères à soupe. À soupe, hein, pas à cuillère à café. Votre animal ne doit pas manquer d'eau régulièrement renouvelée. Donc en fait, moi ce que je fais, donc comme il dit 50 grammes ou 5 cuillères à soupe, alors moi en fait je prends ma balance, hein, normalement, et en fait je mets que 25, donc la moitié de 50, alors 25 le matin et 25 le soir, voilà, au moins ça fait 50, et parce que moi mon cochonnet en fait, plus je l'en mets, plus il mange, donc voilà. Si je lui mets 50, et eh ben il mangera les 50. Ah bah tiens, il va bientôt sortir. Il est là, hein. Je vous le montrerai après. Voilà, voilà. Ingrédients: fourrage, céréales, oaligenio, pulpe de fruits, extrait de yucca. Bon, etc. Après, vous pouvez aller voir sur le site, c'est marqué. Parce que c'est pas ça. Existe également pour lapin, pour. Lapin nain, la paille la paille jeune, bon, etc., etc. C'est pas très important, je voulais juste vous en parler. Donc voilà. Oh, il est là. Ben voilà, je vais vous le montrer. Vu que je vous avais dit. Voilà, il est là. Donc il va très bien. Hein. On revient à ça. Donc voilà, donc, c'est Amiforme. Hein. Donc le site, il est ici. www.amiforme.com. Voilà. Super. Donc voilà, on a passé aux graines. Maintenant, on va passer au foin. Oui, au foin. Comme il est en train de manger d'ailleurs. Voilà. Donc, le foin. Donc, moi je l'ai mis dans un plastique qui est juste comme ça. Que voilà, parce que ça en met partout et je suis vraiment déçue. Donc je vais vous montrer ça de suite. Mais sans blague, parce que ça en met partout. Hein. Genre, ils savent pas les gens. Donc voilà, c'est du foin qui se présente comme ceci, mais c'est vraiment la galère totale. Donc, moi ça vient de Jardiland. C'est pour les lapins, pour que vous... Donc, ma soeur, elle dit, ma copine, pardon, dit n'importe quoi. Voilà. Donc, foin. Donc, excellence. 20 litres. Donc, là. Volume net. Hein, voilà. Et derrière, c'est marqué. Attendez, je vais vous montrer ça de suite. Je suis désolée. Mais je dois faire du trafic avec ça. Eh oui, il va très vite mon cochon d'Inde. Donc voilà, foin excellence. Mode d'emploi, garnir chaque jour. Ah voilà, le râtelier. Donc ça, c'est un râtelier, là, ici. Voilà.
à l'abri de l'humidité et de la lumière. Donc, ça va moins. Le conseil de Jardiland. C'est marqué ici, le conseil de Jardiland. Donc, je vous le lis. Hein. Afin de garantir un maximum d'appétence de ce foin, nous vous conseillons de le consommer dans les 10 semaines qui suivent son ouverture. Donc, voilà. À conserver au sec à l'abri de la lumière. Donc, c'est français. Donc, voilà. Le foin est top. Donc, il adore ça. Hein. Donc, ça se représente comme ceci. Donc, c'est de la paille, en fait. C'est comme les chevaux, ce qu'ils mangent, en fait. Sauf que là, c'est leur nourriture. Cochon d'Inde. Voilà. Donc, moi, je vous conseille vivement de l'empaqueter. Donc, c'est comme j'ai fait. Là. Comme ceci. Et bien sûr, si jamais. Ah, voilà. Ah ben non, ça va jamais tenir en fait, je suis sûre. Ah ben voilà. Alors, on récapitule tout ça. Donc, les graines et le foin, de l'eau, chaque jour. Donc, les graines, 25 grammes le matin et 25 grammes le soir. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Et pour le foin, donc, il faut qu'il en ait toujours à sa disposition. Dès que vous voyez que ça baisse, n'attendez pas de lui qu'il n'en ait plus. Donc, il faut vraiment qu'il en ait tout le temps. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui. La vitamine C aussi, donc vous devez la prendre. Mais les friandises, donc moi j'attends qu'il ait après 4-5 mois pour l'en acheter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé donc, sur la nourriture du cochon d'Inde. Donc je vous dis à bientôt.